Ici, sur Neverwinter. Oui, je sais, j'avais dit que j'avais fait une petite pause sur Neverwinter, mais vu qu'il y a les 5 ans, je voulais voir un peu ce que j'en pense, voir un peu ce qu'il y a et tout ça. Et franchement, je ne sais. Ah, Grizzly. Kiko. Franchement, je suis déçue et en même temps pas déçue des 5 ans. Première chose, c'est que c'est bien d'avoir un enchantement 14. Ça, je trouve ça génial. C'est super sympa de la part de Neverwinter pour ça. Ça, c'est bien. Et en plus, un petit truc en plus pour les enchantements et des trucs comme ça. Il faut. Là, par contre, ça nous pousse à faire l'événement parce que chaque jour, on peut voir des nouveaux trucs dans les coffres d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans. Ça, j'aime bien. J'adore. Ce que je n'apprécie pas, et bien sûr, ça c'est vraiment Neverwinter à 100%, ça ne changerait pas à ce niveau-là, c'est le côté pour avoir la fameuse monture et pour avoir un hashback, je crois. Bien sûr, il faut mettre des sous-sous dans les jeux. 200 euros il faut mettre, hein, rien que pour la fameuse Drake, nouveau Drake, là, avec les flammes, là. Ça, je trouve ça un peu exagéré, mais bon, comme je dis, Neverwinter, il doit rester digne à eux-mêmes. Ils vont pas changer, hein. Non, 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 pour nous faire plaisir, non, non, ils vont pas le faire. Hein. Ils vont nous donner gratuitement, non, non. Hein. Ça aurait été, moi personnellement, je trouve que j'aurais préféré avoir l'enchantement et une fameuse monture spéciale pour les 5 ans. Mais bon, comme j'ai dit, Neverwinter reste égal à eux-mêmes. Ils vont pas changer. Qu'est-ce que j'aime bien d'autre? Rien. Non, l'autre truc qui m'est un peu énervé, c'est le fait que ces soi-disant grands promos, grands soldes et tout ça sur Neverwinter vis-à-vis du Zen Market. D'accord, ok, oui, j'ai changé un peu mon psy là parce que je voulais voir un truc. Et ça, j'ai vu ça hier soir, ça m'a énervé énormément. Sur PlayStation, ils font quoi? Un promo Zen? Sur Xbox, il n'y a pas de promo Zen. Et je me dis, mais non, c'est pas. Arrête, c'est pas juste, quoi. C'est pas normal. Ils essayent de favoriser PlayStation, quoi. Ils sont en train de perdre des joueurs. C'est pas en demandant les joueurs de mettre de l'argent dans le jeu qu'ils vont rester, au contraire. Hein. Et j'ai l'impression que la communauté PlayStation est moins fidèle au jeu que PC et que. Et Xbox quoi. Alors dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Comme je n'ai pas de PlayStation, alors je ne sais pas vraiment dire qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Je compte sur mes abonnés pour me le dire. Ça veut dire vous, dites-moi tout. Hein, dites-moi tout, 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 tout. Dites-moi surtout ce que vous en pensez de ces 5 ans. Je sais que j'ai un commentaire d'un abonné que je vais mettre après. Juste ici maintenant. Pam, pam, pam! Qui m'a dit que ouais, pour des gros joueurs c'est pas ça et tout. C'est vrai que c'est pour les gros joueurs, c'est vrai que ce n'est pas ça. Parce que si t'as pas envie de monter de perso, c'est vrai que c'est pas le pied. Mais bon, mais quand même, l'enchantement 14 c'est quand même pas mal. Hein. Ça, c'est sympa de leur part, franchement. Comme j'ai dit, après ça, tu as le fameux truc de Subli et tout. Tu as les trucs d'un an, de chaque année, là, qu'il y a pas mal de petits trucs. Ce que je comprends pas, c'est tu as des coffres, si tu l'ouvres, dans certains coffres, tu as des anciennes skins, mais franchement, sont pas le pied. Il y a le nouveau trône qui fait des feux d'artifice. Youpi! Yaha! Faut sauter de joie. Ouais, je sais, je suis un peu négatif sur les trônes, mais bon. Comme je dis, je vais montrer. Je sais que je suis en retard d'un peu tout ces derniers jours. Vraiment, je suis en retard de tout en fait. Je suis en retard de plein de vidéos. C'est horrible. C'est horrible, mais ça arrive. Il y a des jours comme ça où que. Wow, des jours. 2 semaines maintenant. Mais non, si vous mettez 200 euros dans le jeu, vous avez lui. Ah, c'est ça quoi. Et bon, dans la vidéo je l'ai fait. Certes, il est joli. Franchement, je ne dis pas le contraire. Il est beau. Ok? Je l'aime bien. Il est chouette. Mais j'aurais pas offert ça en tant que cadeau. J'aurais pas offert ça en tant que cadeau. Mais je sais même pas si je peux encore le. Je crois pas que je pourrais encore le voir moi.
Tu vois, moi je peux plus le voir parce que je l'ai pris. Ouais. J'aurais préféré l'enchantement 14 et lui. Tu vois, il y a un truc de sublime. Il y a de mettre 200 euros dans le jeu rien que pour l'avoir, quoi. Et je crois que c'est tout, non? Attends, je vais voir un peu. Un sac. Un Drake. Et 5. Vraiment pour 200 euros, c'est tout? Tu vas mettre 200 euros pour ça, quoi. T'as même pas de clé ni rien. Wow! C'est tout! C'est une blague! Oui, ça c'est le fameux hashback. Ça c'est 50 euros, si je me rappelle bien. Un compagnon gratuit. Ah, ça c'est pas mal. Là, pour 200 euros, ok, tu me mets le compagnon, tu me mets le Drake et tu me mets, je sais pas, 50 clés. Là, je suis d'accord, hein. Ah oui, d'accord. Alors, si tu mets 10 euros, t'as... ils ont pas un problème. La preuve que j'ai pas mis de l'argent dans le jeu. ils ont pas un problème là. Attends, tu peux avoir 4 clés enchantées pour 10 euros. Ok. Moi j'aurais mis les 4 clés, VIP, un compagnon avec le Drake. Ça aurait été plus compréhensible. Un sac Drake. Et 5 chloé pour 200 euros! Et Never, tu te fous de la gueule de qui, là? Et... Tu te fous de la gueule de qui? Non, même pas ça, quoi. Tu me mets le Drake plus un... Un enchantement 14, je suis contente, quoi. Ça aurait été un chouette cadeau de 5 ans. Tu vois, ça, c'est le fameux trône. C'est une copier-coller. De ce trône-là, mais juste avec des petits trucs d'artifice. Ils se sont même pas cassés le cul de ce niveau-là aussi, quoi. Hein? Cette-là, cette-là, elle est magnifique. Je l'ai. Elle est magnifique. Comparée aux autres. Elle est magnifique. Là, vous avez juste collé des trucs derrière qui est pour faire pouf, pouf, pouf. Et attends, c'est vous 5 ans. Hein? Pour les 5 ans, vous pouvez peut-être changer aussi de monture. Non? Non? Trop compliqué? Hein? Bon, comme je dis, je peux pas trop critiquer quand même. Un enchantement 14, ouais, mais bon, c'est... Je sais pas. Ben, ça, c'était mon petit, entre guillemets, petit coup de gueule de les 5 ans Neverwinter. Allez, je vous aime. Bisous, bisous!